Et Nihao et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The Chain Addict, parce qu'on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen, Chine. Alors là, ça sera un week-end spécial tablette avec trois modèles, dont le premier qui sera celle-là, et dont deux modèles que je pense que vous avez vu nulle part. Ben, notamment j'espère en test. Donc en fait ce week-end sera l'occasion déjà de revenir un peu sur de la tablette, avec de la tablette top la classe, comme d'habitude, et en fait aussi de vous annoncer l'ouverture prochainement d'un nouveau site dédié aux tablettes. Donc ce sera toujours un site JT Geek, bien sûr. Donc il y aura une personne dédiée en France qui ne fera que ça, surtout le service technique et les mails, les choses comme ça. Les expéditions et les livraisons se feront toujours depuis la Chine, depuis nos bureaux ici. Mais ça sera vraiment un truc spécialisé avec une personne qui est à fond dedans. Et là, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, on va revenir aussi sur une question que beaucoup de monde nous pose. C'est concernant mon accent exceptionnel qui a tendance à ressurgir de temps en temps. Donc en fait, pas du tout. C'est pas du tout un accent. C'est simplement une petite touche d'exotisme ou de couleur que je décide de mettre dans les vidéos. Et l'accent du sud me paraît plutôt adapté, et en fait, c'est surtout l'accent du sud, c'est celui que je pense faire le mieux. Enfin, que je crois faire le mieux. Après, ça sera en fonction, donc certains pourront dire que c'est bidon, mais en fait, voilà, moi ça m'amuse, et puis je pense que ça met un peu de couleur dans les vidéos. Voilà, mais en fait, je suis pas du tout du sud. Je suis de Lyon 69, donc pas du tout du sud de Toulouse, de Marseille, de Nice ou de où vous voudrez. Donc voilà, je pourrais vous essayer de faire l'accent ch'ti, mais je sais pas faire du tout. L'accent chinois, on va éviter. L'accent yalla, on fait pas, donc voilà. Donc, cette semaine, ce samedi, on teste notre première tablette. Ah oui, pour le nouveau site qui va arriver, on vous donnera l'adresse fin de semaine prochaine, quand il sera opérationnel. Mais vous allez voir, il va y avoir un peu de geek, il va y avoir un peu de tablette, et il est déjà joli. Donc, cette tablette, on commence par la Enol. C'est la Enol Novo Hero 10, comme c'est marqué un petit peu sur la boîte ici. Je vais me débarrasser du jus de mots en disant oh, Enol, les opticiens? Non, voilà, bon, ça c'est fait. Ensuite, par rapport à des choses qu'on nous a demandé, parce qu'en fait la tablette elle est déjà sur la boutique. Généralement, les tablettes sont sur la boutique au moins 24h, 48h avant qu'on les teste. Donc, on a des membres qui ont dit oui, mais sur d'autres sites ils disent qu'on peut le brancher sur Ethernet. Donc, on va vous faire voir les connectiques tout de suite. Voilà, donc là c'est les connectiques, il y a une micro USB, une HDMI, une micro SD. Alors là, si vous mettez une prise Ethernet qui fait comme ça, ça va être compliqué. Alors après, oui, mais certains ont des câbles, pas celle-là. Hein. Ça c'est les câbles, il y a un câble USB, voyez, donc, pour mettre directement un périphérique. Et en fait, il y avait un espèce de câble secret, fermé, qu'on a pris l'initiative d'ouvrir, dans lequel il y a un kit piéton. Donc il n'y a pas d'adaptateur pour mettre une connexion Ethernet. Mais bon, pourquoi pas, après, peut-être qu'eux, ils ont une Hero Novo, et une, comment ils appellent ça? Alors, une Enol Novo Hero 10 qui a une prise Ethernet, mais nous, on l'a pas. Et puis le GPS, le GPS, pareil, on a regardé, nous, on n'a pas de GPS. Alors, il y a une espèce d'escroquerie, là, qui se met en route, c'est le service de localisation, qui, si on a regardé, c'est un espèce de AGPS via le Wi-Fi. Donc, en fait, si eux, ils appellent ça du GPS, non. C'est, on va dire, on a du AGPS via une triangulation Wi-Fi. Donc, ça marche à peu près, mais moi, j'ai pas de GPS sur celle-là. Alors, peut-être qu'il y en a une autre, hein, dans un autre Shenzhen, dans un monde parallèle qui a tout ça. Enfin, là, c'est pas le cas. Donc, cette tablette, comment elle est? Elle est jolie, hein, c'est une 10 pouces avec un écran IPS. La marque, c'est une Enol, donc c'est vraiment une marque de tablette. Ça c'est bien. Là, alors qu'est-ce qu'on a marqué? On n'a même pas vu qu'il y a des trucs là. Alors c'est une Novo nanana 2012, c'est une 16 Go en mémoire interne. Hero Novo, Made in China. Nom de Dieu, Made in China, dis donc. Oh là, je m'y attendais pas. Un numéro de factory, l'alimentation c'est du 5 volts en 500 mA. Nanana, enfin 500, l'USB, c'est du 5 volts en 500 mA. Si vous voulez la recharger, il faudra du continu 12 volts en 2 ampères minimum. Elle a le Wi-Fi, le Bluetooth et elle a toutes les normes qui vont bien. Donc sur l'arrière, on retrouve une caméra 2 millions de pixels, des jolis boutons, haut-parleur stéréo gauche et droite. Ici on n'a rien. Ici on retrouve les connexions HDMI. Ça c'est bien, la mini USB, une connexion micro SD que nous on a chargée avec une 8 ou une 32, le micro et l'alimentation pour cette tablette qui est quand même plutôt jolie, plutôt bien finie. Vous allez voir, elle n'est pas très chère en plus. Donc, on va attaquer avec quelque chose qui vous tient à cœur. Forcément, c'est le AnTuTu, bien sûr. Donc, alors, on revient sur la tablette.
ici. Le AnTuTu, on l'a lancé dernièrement. Donc l'autocollant, ouais, je sais, vous allez râler. Oui, pourquoi il n'arrive pas à l'autocollant? Ben, on n'arrive pas à l'autocollant parce que les tablettes, elles repartent à la vente après. Hein. Là, maintenant, les tablettes, on est obligé de les acheter. Hein. Ils ne les donnent pas. Surtout eux, ils sont pas cool, en fait. Hein. Ils veulent pas parce que une tablette, quand même, c'est chier. Nous, on les vend par carton. Donc, le AnTuTu. Donc, on a bien un processeur de 1,5 Go en dual-core, un Cortex A9. Donc, le score, tout de suite, c'est la classe 7509. Ça, c'est quand même bien. Alors, on va revenir ici, les informations, le système. Alors, c'est bien une Novo 10 Hero. Il existera l'année prochaine, ils nous ont confirmé ça, une Hero 10 2 qui arrivera avec un processeur quad-core, mais pas avant 2013. Ça, ils nous ont rassuré là-dessus. Alors, on a bien un CPU ARM, nanana, on a bien un dual-core ARM V7. En fait, j'ai dit un Cortex A9, mais c'est pas ça du tout. Ici, on a bien une fréquence qui tourne à 1512, ça c'est bien. La résolution de l'écran, 1280x752. Alors pourquoi sur la fiche on a mis 1232? Ben simplement parce qu'en fait il manque le petit bout en bas à chaque fois. Ils vous mettent les onglets, ça c'est Android 4.1. Alors ensuite, l'écran c'est un. Ouh là, je me suis perdu. Là, la RAM 1 giga, la ROM, donc nous c'est une 16 giga. Ici, dedans, l'appareil photo, c'est bien 2 millions de pixels et la version Android, c'est bien une 4.1. Ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors, attendez, on va mettre la tablette comme ça. Oui, on va pas arrêter de jongler. Hein. Comme ça, vous verrez que l'accéléromètre, il fonctionne très bien. Ici, on met là. On met. On descend. J'arrive pas. J'ai les ongles hein, qui bougent un peu. Mais ça va aller plus vite, mieux. Ici, hop. Alors, Android, on fait le bouton tout. Voilà, Jelly Bean. Waouh, trop bien, le jeu, trop génial. Bon, allez, ça c'est bon. Donc le benchmark, c'est parfait. La tablette ne fait pas de téléphone, hein, donc pas d'IMEI. Le market, bien sûr, il est dedans. Il est là, le Play Store. Donc on l'a mis en français. Tout bien, voulez-vous ajouter un compte? Ça, c'est bon, ça fonctionne. L'appareil, sans grande surprise, peut écouter de la musique. Et peut écouter Britney Spears. Et dis donc, je sais pas vous, mais elle me regarde bizarrement, Britney Spears. Hein. Vous croyez pas qu'il se passe pas un truc entre nous, là? Parce que chaque fois, je la mets, et elle me regarde avec son petit air coquin et tout. Je suis sûr qu'il se passe un truc. Hein. Mais bon, ça regarde que moi et Britney, bien sûr. Donc, en fait, vous pouvez écouter de la musique avec les gros parleurs stéréo. Bon, apparemment, on va remettre un peu, mais là, c'est pas une discothèque non plus. Hein. Oh, j'appuie un peu vite. Je mets à fond. Je mets un peu. Vous avez vu ce qu'elle me dit? Baby one more time et tout. Enfin bon, voilà. Stop d'interlude. Donc, elle peut écouter de la musique. Ça, c'est bien. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les vidéos. Alors, les vidéos, ici. Mes vidéos en HD. On va mettre comme ça. Voilà. En plus, vous voyez bien comme ça. En plus, c'est la classe. Alors, vidéo en full HD. Lecteur Google. Une seule fois. Bon, ça marche bien, hein. Écoutez, le dual core en 1,5 Go gère parfaitement les vidéos en full HD. Elle est quand même classe. Hein. Non, elle est quand même très très jolie. Hein. Donc l'écran c'est un IPS hein, avec un angle de vision assez large. Hein, voyez. Bon, quand on la met comme ça, personne ne voit. Hein. Là vous voyez bien. Voilà, tu te tais. Ici, on va essayer de lire une autre vidéo. 1280x720. Bon, bah après, c'est sans problème. Hein. Je veux dire, si elle lit les vidéos en full HD, après, vous pouvez lui enquiller ce que vous voulez dedans. On va même essayer de mettre un petit coup. Allez, on va peut-être essayer de mettre un petit coup du JT Geek, là. L'ancien générique. Le nouveau est tellement mieux. Ouais, vous allez dire, c'est trop long, machin et tout. Mais c'est pour le plaisir. Hop. Voilà, on est ici. Quand même. Déchire cette tablette. Surtout quand je vais vous dire le prix. Bon, enfin, le prix, à mon avis, vous êtes trop impatient, vous avez déjà vu soit sur l'intro, soit ailleurs, mais vous savez déjà que la tablette est quand même super pas chère. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir envoyer des idées d'email, ici, donc on va se mettre là, parce qu'on va se mettre ici, sinon on va me dire, oui, vous n'avez pas de compte Gmail, il faut vous connecter. Voilà, gros clavier AZERTY, hein, donc c'est une tablette 10 pouces, hein. Donc là, on est dans de la...
on va pas dire dans la gamme de iPad, c'est moins bien qu'un iPad quand même. Hein. On est dans de la grande tablette qui fonctionne très bien et qui est certainement quand même juste 3 fois moins cher qu'un iPad. Vous pouvez faire des jolies photos en 2 millions de pixels, bien que ça soit pas la vocation. Ah, c'est moi. On va enlever ça. Puis je me suis rasé ce matin. Trop bien. Juste pour la vidéo. Donc la boîte est tombée. Au cas où vous l'auriez pas vu. Espèce de petit autofocus là, vous voyez. Pas mal. Pas mal, dis donc, cette histoire-là. Voilà, donc ça fait des belles photos en 2 millions de pixels. C'est pas la vocation des tablettes. Hein. Si vous voulez faire des super belles photos, achetez pas une tablette, hein, achetez un appareil photo. Hein. Donc vous pouvez faire des photos. Vous avez une petite webcam en façade qui permettra de faire des jolies petites vidéos sur WeChat ou sur Skype. Ça, c'est bien. Les jeux, il n'y en a pas dedans, mais bon, le processeur, vu comment il tourne, ça devrait pas poser de problème. L'histoire du AGPS, bah pourquoi pas. Écoutez, il y a du AGPS, ça va vous trianguler à peu près. Vous allez savoir dans quelle ville vous êtes, au moins. Ici, tac, tac, on va activer. Ah, il va me dire qu'il n'y a pas de connexion. Accepter, votre position va être enregistrée. On s'en fout. Ici, on revient. On va regarder s'il y a Google Maps dedans. Ouais. Là, il va me dire qu'il n'y a pas de connexion. Bon, certes, on ne va pas passer une demi-heure là-dessus, mais bon, voilà, il y a le AG. Il y a une espèce de AGPS, pourquoi pas. Donc, après, à être vigilant, après, bon, sur l'annonce, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne l'a même pas mis, je crois. Bon, ça marchera un peu. Ça ne sera pas le top du top au niveau du GPS, mais ça pourra fonctionner. Qu'est-ce que vous n'avez pas de 3G, de toute façon. Et puis, il n'y a pas la puce dedans, on regarde bien, c'est marqué ici. Donc, le Mali, on a bien un 10 pouces, on est bien sur du Full HD. Oh, ça, c'est trop bien. 1200 par 800, ça, c'est bon. 1 giga de RAM. Donc, la RAM, c'est du DDR3. Donc, pour les novices, c'est mieux. C'est mieux que la DDR2. Mais je pense pas que ça soit vraiment sensible, en fait, hein, sur des produits comme ça. Les plus et les moins de la bête pour nous. Alors, les plus, le AnTuTu à 7509, ça, c'est bien. On a bien aimé le processeur en dual-core 1 giga 5. 1 giga de RAM, 16 giga de ROM. Ça, c'est la classe. Un écran 10 pouces 1 IPS, ça, c'est génial. Un écran Full HD. Elle est top cette tablette, elle est super fine, elle a un beau design. Bon, après l'arrière, pas convaincu que ça soit du aluminium, mais pourquoi pas. Vous voyez, elle est de bonne facture, hein. C'est vraiment un bon produit. C'est notre Texas Ranger qui nous a dit oui, mais Anol, machin, vous ne les avez pas testées, elles sont bien, tout le monde en parle. Bah voilà, on l'a testé, on en parle, et force est de constater qu'elle est bien, mais franchement, celle de demain, elle sera encore mieux. Je sais pas laquelle on va faire demain, parce qu'on a une petite, une grosse. Moi, c'est vrai que j'aime les grosses et tout, donc les grosses tablettes. Hein. Donc, je sais pas par laquelle on va commencer. Peut-être par la petite pour vous chauffer un peu, et puis après, on attaquera l'autre qui est quand même. Ah, le roi du teaser. Ensuite, on a bien aimé dedans la batterie de 8000 mAh. On a bien aimé l'épaisseur à 9,8 mm. On a bien aimé le prix, 179 €. Elle est super belle, hein, cette tablette. Donc 179 €, vous allez la trouver sur la Skyphone boutique et vous la trouverez fin de semaine prochaine sur notre nouveau site dédié aux tablettes au même prix et aux mêmes conditions. Ce qu'on n'a pas aimé, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Après, ça sera vraiment en fonction de chacun. Il y en a qui vont dire oui, mais machin et tout. Je sais pas, la tablette pour moi elle est très très bien. Il n'y a pas vraiment de point négatif. C'est une bonne marque, c'est un bon produit. Elle est bien finie, elle est de bonne qualité. Vous voyez les petits détails par exemple qu'on voit, c'est au niveau du chargeur. Ils ont déjà une petite boîte avec chargeur avec le logo et tout. C'est une marque. Donc on est sur du produit de marque, on n'est pas sur du produit de Shanzai comme avec la marque Sanei. Ou je vous avoue que quand on les teste, des fois, on les achète pas tous, on les teste. On dit, ah, ça là, et ça qui est pas bien, changez là. Donc, on en teste beaucoup avant de trouver une bien. Là, on est quand même sur du produit de qualité. Voilà, les produits sont badgés et tout. On a le chargeur. Les chargeurs seront changés dès la semaine prochaine par des chargeurs français pour éviter les adaptateurs, machin et tout. Même si certainement on mettra quand même celui-là en plus. Donc, on est quand même sur du produit de la classe. Bon, bah, peut-être qu'on pourrait regretter qu'elle ait pas de GPS, comme on a pu le lire sur certains endroits, mais elle a un GPS. Et puis, bah, elle n'a pas de connexion Internet, mais elle est trop, c'est normal, elle est trop fine. Donc voilà, voilà ce petit test en fait de cette Enol Hero 10. Ça sera bien pour votre petit samedi. Nos abonnés verront la vidéo directement samedi matin ou fin de matinée sur leur YouTube. Les autres la verront peut-être sur le blog samedi, sinon dimanche. Et moi, je vous dis eh ben, à demain pour un nouveau test sur une nouvelle tablette trop bien top la classe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et rejoindre les 1200 abonnés à notre chaîne YouTube. Ah, ça, c'est bien. Et vous pouvez partager cette vidéo sur votre Facebook pour la faire voir à vos amis, pour qu'eux aussi se rendent compte que franchement, les vidéos, elles sont trop bien, que le mec, il est trop sympa. En plus, il dit plein de conneries, ce qui met un petit peu de couleur dans ses vidéos.
et que les produits sont quand même plutôt intéressants et qu'il y a plein de choses que vous ne connaissiez pas. Voilà, si vous êtes Twitter, vous pouvez nous follower. Et si vous avez internet, vous pouvez nous retrouver sur le blog Le JT Geek by Siphon.fr tous les jours, même le samedi, même le dimanche, il y a des posts. Et ça, c'est trop bien en français et en américain. Pourquoi en américain? Parce que quand je parle américain, des fois, vous ne me comprenez pas. Voilà, on attaque tout de suite pour la deuxième vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt sur Le JT Geek by Siphon.fr. Bye bye.